Et finalement, avec un quintet de cordes, voici la nouveauté empruntée à Jim Corcoran de Marc-André Fortin. Nous voilà encore sur une corde à linge, lessivée, enlacée et lourde. Besoin de mouvement, besoin d'air, besoin de chair de poule. Besoin de chair de poule, besoin de chair. Prends ma chemise, prends mes mains, prends mon portefeuille. Ce soir on sort, choisis l'heure, l'endroit et nos personnages. Ce soir on sort, ce soir. J'ai toujours voulu danser, mais je me le refusais. Je n'étais pas sûr des pas, je savais vraiment pas qui inviter à danser. J'ai toujours voulu danser, mais je me le refusais. Dorénavant, je ne me le refuserai plus jamais. Je veux perdre mes souliers et mon self-control, renverser une table de poule, me mordre la langue par un excès de zèle, perforer mon self-control. Ce soir on sort, choisis l'heure, l'endroit et nos personnages. Ce soir on sort, j'ai besoin d'air, besoin de mouvement. Ce soir on sort, besoin de chair de poule, besoin de chair de poule, besoin de chair. J'ai toujours voulu danser, mais je me le refusais. Je n'étais pas sûr des pas, je savais vraiment pas qui inviter à danser. J'ai toujours voulu danser, mais je me le refusais. Dorénavant, je ne me le refuserai plus jamais. Dorénavant, je ne me le refuserai plus jamais. Oh, jamais. J'ai toujours voulu danser, mais je me le refusais. Je n'étais pas sûr des pas, je savais vraiment pas qui inviter à danser. J'ai toujours voulu danser, mais je me le refusais. Dorénavant, je ne me le refuserai plus jamais. J'ai besoin de chair de poule, besoin de chair de poule, besoin de chair de poule. Merci à Quintet de cordes! Nathalie Morel, violoncelliste! Marc-André Fortin! Comment vous appelez là, la technique de violon? Là? Vous avez un nom pour ça tout à l'heure? Oui, ben, ils appellent ça du chop. En fait, ils frappent sur les cordes et sur l'instrument et ça donne des petits sons un peu particuliers. Oui, pour ce nouvel album-là, tu as repris les rênes de ta carrière, de ta gérance, de ta direction artistique aussi, en quelque sorte. Et je ne suis pas la première à te dire que dans les thèmes des chansons que tu reprends, ça se sent. C'était volontaire ou pas ça? Non, mais en fait, c'est apparu à un moment donné comme ça. Le thème de je reprends un peu, ben c'est un peu fort de dire reprends le contrôle, mais je me prends en main. J'ai réfléchi, j'ai pensé à ça, j'ai eu des décisions à prendre, puis voilà, j'ai décidé de produire l'album, de faire la co-direction artistique, puis j'ai bien aimé mon expérience. Marc-André Fortin. Merci. Qu'on va retrouver plus tard en trio à la fin de l'émission avec Bruno Pelletier et Claude Gauthier qui sera là justement en retour. Au retour, trois générations autour du beau voyage de Claude Gauthier. On va se laisser avec une des plus importantes du répertoire de Claude Gauthier. Ça donne que c'était une des préférées de Bruno Pelletier. Ça donne que c'était une des préférées de Marc-André Fortin également. Voici le plus beau voyage de Claude Gauthier. Salut, passez une excellente semaine. Au revoir. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie,
J'ai revu mes appartenances, mes 70 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération, comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'en